Tu viens de chez Macaire? Oui. Eh bien. Dis à Macaire de tout ce que je peux savoir, je lui ai déjà dit. Dis-lui que je veux vivre en paix, compris? Et qu'il est inutile de continuer à me crasser les pieds. Je ne sais rien de cette maudite caisse de dollars. Je m'en suis tenu aux ordres, et s'il m'avait écouté, il les aurait aujourd'hui, ces dollars. Ils ont disparu. On a fait une enquête, mais elle ne nous a rien appris. J'en suis exactement au même point que lui. Voilà ce que tu peux lui dire. Quelqu'un est venu te parler.
Et Sabakir le sait. Un certain Jackson. Alors, Jackson est venu chez toi? Ou Bakir s'est-il trompé? Il s'est pas trompé. Bakir aimerait bien savoir ce que vous vous êtes dit, toi et ce Jackson, à propos de cette caisse. Je ne suis pourtant pas venu pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'on me paie. Je voudrais savoir comment se fait appeler Jackson, maintenant. Pourquoi penses-tu qu'il a changé de nom? Je l'aurais déjà retrouvé. Quand je cherche quelqu'un, je le trouve toujours. C'est pour ça qu'on me paie. Mais combien de paie, Mathieu? C'est ta famille? Oui. Je dis famille. Et combien de paie-t-il pour m'abattre? Pas loin de $500. Alors ce nom, tu le donnes? Allez, donne-le-moi. Carson. Bill Carson. Voilà comment il se fait appeler maintenant. En or, plutôt intéressant. Mais lui aussi l'a payé. J'agis toujours dans les règles. Je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Et comment? Il a dit des choses qui t'intéressent et d'autres choses qui m'intéressent, moi. C'est-à-dire? Le nom sous lequel se cache Jackson, c'est Bill Carson. Ça, c'est pour toi. Et puis? Et puis, il m'a parlé d'une certaine caisse qui a disparu. Pleine de beaux dollars. C'est ça qui m'intéresse. Ah, et quoi d'autre? Ce n'est pas suffisant. Mais ne te fais pas de soucis. Jamais plus il ne dira rien. Ah bon? Senza, voilà les $500 qui te reviennent.
Oh, j'allais oublier. Il m'a donné 1000 $. Et sais-tu pourquoi? Pour que je te tue. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas? Non! Je ne sais pas! Non! N'amuse pas ça. Nous sommes trois. Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Allez, amigo, recule. Merci. Combien vaux-tu maintenant? Ben, tu le sais, non? 2000 $. Exactement. 2000 $. Hmm? Intéressant. Espèce de salopeur! Tu paieras ça! Et t'en blâmeras, toi aussi! Je te jure que t'en blâmeras, chien! Mais détache-moi! Détache-moi, fils de chien! T'entends? T'as encore le temps de me détacher. Si tu me détaches, on n'en parle plus! Sinon, je vais voir les vers te manger les yeux et la figure! Oh mon Dieu! Oh, comme je me sens mal! Oh, les voix de l'âge, j'en peux plus! Le sang m'est monté à la tête! Oh, oh. Écoute, écoute, Blanc. De l'eau. De l'eau. Salaud, fils de chienne. Tu t'attaques à un courtier, tu peux pas se défendre. Détache-moi si t'es un homme. Ah, tu t'en vas, t'as peur, hein? Viens ici. Charogne. Reviens. Et d'où il sort, celui-là? Et qu'un coup tu s'en vas, il en arrive un autre. Qu'est-ce que tu veux? La ferme! La ferme! Ah. Tiens, regarde. Tu la connais, cette sale gueule? C'est la tienne. La mienne? Qui vous dit que c'est la mienne? Déchirez ça! Déchirez ça! Je vous dirai après ce qu'il faut y mettre. Maudits soient les shérifs et celui qui les a inventés! Oh, mais il va lui donner de l'argent maintenant! Arrête! Tu m'as vendu! Mais tu n'emporteras pas au paradis! Ah non, alors! Parce que s'il y a un peu de justice en ce monde, tu iras crever en prison comme un rat! Et tout est semblable! Tous, jusqu'au dernier! Parce que t'es un beau salaud! Ah, t'en sais rien, mais moi, je le sais! Et les autres aussi, ils savent!
et le fils de tout le monde. T'as pas un père, ton Émile. Et ta mère, tu veux savoir, c'est une putain. Envoie la potence à un innocent qui a jamais fait de mal de son existence. Déjà recherché dans 14 comtés de cet état. A été reconnu coupable d'homicide volontaire. D'attaque à main armée. De vol de banque et de services postaux de l'État. De vol d'objets sacrés. D'incendie criminel d'une prison de l'État. De faux témoignages. Bigamie. Abandon de domicile conjugal. D'incitation à la prostitution. D'escroquerie et d'extorsion de fonds. De recel. D'émission de fausses monnaies. D'usage de jeux de cartes et de dés truqués. D'agression et de coups de blessure. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous condamnons le dénommé Tuco, Benedictio Pacifico Juan Marias Ramirez. Dit le porc. À la peine de mort, par pendaison. Parce que le Seigneur Tout-Puissant ait pitié de son âme. Oh. Voilà, 5 pour toi. 1, 2, 3, 4 et 5 pour moi. 5 de plus pour toi. 5 de plus pour moi. Tu sais ce que tu vaux maintenant? Non. Combien? $3,000. Hey. Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. Moi, je risque gros. C'est pourquoi la prochaine fois, je veux plus de la moitié. Oui, tu as la corde au cou, mais moi, je tire. Et si tu me rognes mon pourcentage? Cigare? Qui sait? Il peut arriver que je rate mon coup. Mais si tu manques la corde, ne manque pas le pendu. Celui qui me fait une entourloupette et me laisse la vie sauve, c'est qu'il n'a rien compris à Seigneur Tuco. Non, rien. Déjà recherché dans 15 comtés de cet état, le dénommé Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez a été par ce tribunal reconnu coupable des délits suivants. Vol à main armée, viol d'une jeune fille de race blanche, sabotage d'une voie ferrée et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de... Participation à l'évasion... Hé, s'entende ! Pratique d'armes, de munitions et d'explosifs. Des ventes de matériel appartenant à l'armée. Alors, qu'as-tu appris ? Une véritable histoire de fou, je te jure. Un détachement de soldats qui transportait une pleine caisse de dollars est tombé dans une embuscade nordiste. Il n'y a que trois hommes qui en ont réchappé, Steven, Baker et Jackson. Entre-temps, les dollars se sont volatilisés. On fait donc une enquête et Jackson est acquitté. Il fait le mort quelques mois et puis un beau jour, il disparaît et devient Bill Carson. Oui, ça je le sais déjà. Voilà tout ce que j'ai appris et je te le répète pour te rendre service. Je sais que tu cherches et je ne voudrais pas être à sa place. Oui, Carson. Il a rempilé, on l'a envoyé au casse-pipe, il a perdu un œil au combat. Si tu veux en savoir plus, demande à voir Maria. C'est une fille de rien qui vit avec lui. Et où la trouve-t-on? Oh, bon sang, où est-elle déjà? C'est pourtant un nom facile à retenir. Santana. Adios. Demi-pension. Occasionnel ou seul, à savoir sabotage de voies ferrées et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de vol. Participation à l'évasion de 4 détenus au cours de laquelle... Pauvre malheureux, quelle chose terrible ça doit être. Car madame, ce n'est pas la corde qui fait le pendu. Comment cela? Sachez que même un locteux comme lui peut avoir un ange gardien. Un ange tout blond qui veille sur lui. Maria Ramirez, à la peine de mort par pendaison. Puisse le Seigneur, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de son âme.
fourreau. Et ton coup, blondin, on rate pas son coup quand c'est moi qui ai la cravate de chambre. Toi, on te l'a jamais passé, la corde au cou. Eh ben, je t'assure, blondin, quand le nœud se met à serrer, tu sens déjà le diable qui te mordit les fesses. Mais c'était un peu risqué. Tu as raison, descends. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un voleur de poules comme toi ne vaudra jamais plus de 3 000 $. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'avec quelqu'un comme toi, franchement, il n'y a aucun avenir. Explique-toi. Eh bien, moi, je préfère rompre l'association. Non, non, non. Je romps l'association, mais toi, tu restes attaché. Et les 3 000 $, c'est moi qui les empoche. Tu es la plus infecte crapule que la Terre ait jamais portée. Le premier village est à 110 kilomètres d'ici. Si tu économises ton souffle, tu dois pouvoir y arriver. Sans rancune. Va donc, Judas, traître, espèce de salaud! Reviens! Où vas-tu? Descends de cheval, si t'es un homme! Descends de cheval! Reviens, tu entends? Si jamais tu me retombes sous les pattes, je t'arracherai le cœur et les yeux! Je te sortirai les tripes! Je te prendrai avec! Je te tuerai! Je te tuerai! Quelle ingratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie.